Et Romain Perrault, les Brestois ont de nouveau un peu plus le pied sur le ballon avec Franck Honorat qui va se mettre pied droit, il va frapper de loin. Quelle frappe de Franck Honorat, ça nous rappelle le but qu'il a marqué contre l'AS Saint-Etienne. Autant celui-ci, c'était tout en douceur, tout en splendeur dans la lucarne. Là, c'est une frappe beaucoup plus en force, encore plus lointaine de Franck Honorat avec ce ballon-là qui arrive vers Romain Perrault. Franck Honorat qui est dos au but pour Dan, qui arrive à se retourner, qui n'est pas forcément chassé et qui adresse une frappe de 25 mètres qui finit dans le petit filet